détresse psychologique, 66% des détenus concernés. La Journée mondiale de la santé mentale est célébrée aujourd'hui. Handicap International et ses partenaires ont choisi comme thème de la célébration qui s'est tenue au motel Anoussi, détention et santé mentale. Selon Wangnirina Ranevzon, chef de projet milieu carcéral au sein de Handicap International, 66% des détenus affichent des signes de détresse psychologique selon une étude réalisée en 2015. Cette célébration de la journée mondiale est organisée pendant une semaine en partenariat avec le ministère de la Justice, le ministère de la Santé publique et l'AFD. La détresse psychologique, si elle n'est pas prise en charge, entraîne des incapacités psychosociales comme l'incapacité à se prendre en charge, de vivre sa vie positivement et de se projeter dans l'avenir. La détention, aussi bien que les problèmes de santé mentale, font encore peur à Madagascar et les perceptions négatives qui gravitent autour font que les personnes détenues ou sortant de prison soient presque régulièrement rejetées, stigmatisées et ont du mal à se réinsérer dans la société. Donner la voix, donner une place et induire le changement, tels sont les messages clés de la célébration. Une exposition de photos a marqué la journée d'aujourd'hui, laquelle se poursuivra jusqu'au 15 octobre prochain au Taal Araghyasne. D'autres événements, notamment des conférences-débats, sont aussi prévus.